Salut à tous, c'était Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, ça, on s'en fout. Aujourd'hui, on est là pour parler d'achat-revente, comment arriver très rapidement aux 10 000 crédits. Je vais vous montrer ça avec une seule technique que je n'ai pas inventée. Je l'ai reprise sur des youtubeurs achat-revente, des spécialistes achat-revente, pardon. C'est pas moi qui l'ai inventé, juste je vous la partage parce que ça aura un rapport avec les prochaines vidéos. Donc pour cette technique, ça s'appelle la Tech 700. Vous allez mettre en enchère max 700 crédits niveau or et ensuite vous allez mettre l'un des 5 championnats majeurs, donc soit la BPL, soit la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga BBVA ou la Serie A. Donc moi je préfère le faire sur des joueurs de Bundesliga et de Serie A parce que je trouve que ça marche mieux. Et du coup cette technique consiste à enchérir sur tous les joueurs sur lesquels il y a déjà une enchère, comme celui-ci par exemple, ou encore celui-ci. Le prix d'achat immédiat doit être à 10 000 crédits hein, pour pouvoir surenchérir. Parce que si vous avez un prix d'enchère à 650 et que le prix d'achat immédiat est à 850, ça vaut pas le coup parce que on se fera pas le bénéf qu'on voudra dessus. Donc vous allez surenchérir sur quelques joueurs, enfin sur tous les joueurs que vous pouvez. Vous pouvez mettre tous vos crédits dessus, vous mettez tous vos crédits dessus. Donc vous surenchérissez qu'une fois. Si vous vous faites surenchérir, ne surenchérissez pas par-dessus. Ça servira à rien, vous ne ferez pas beaucoup de bénéf. Et du coup, vous allez faire cette technique. Mais avant ça, vous allez aller dans le catalogue, donc normalement je pense que vous devez connaître. Vous allez prendre les rallonges pour la liste des transferts. Donc moi j'ai 70 places dans ma liste des transferts. J'ai pas encore la pile à 100. Et du coup, quand vous avez ces joueurs, vous allez les relister 300 plus cher. Donc là, hop, 400, 700. On va mettre ça à 700. Choupo Moting, on l'a chopé à 700. On va le mettre à 1000 crédits. On monte pas au-delà des 1000 crédits. On reste à 1000 crédits maximum. Par exemple, si vous avez un joueur à 850, et ben vous le mettez à 1000 crédits. Ça a pas beaucoup. C'est pas grave, en gros. Voilà, je me suis trompé pour ce joueur. Du coup, là, on va mettre 700. Hop. Et du coup, si vous remplissez toute votre pile des transferts qu'avec des joueurs comme ça, vous allez très rapidement arriver aux 10 000 crédits. Et pour ensuite, faire ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Si je vous fais celle-ci, c'est qu'elle a un rapport avec les prochaines. Donc voilà, j'espère avoir été clair. C'était une vidéo un peu courte. Si vous n'avez pas très bien compris, dites-le moi dans les commentaires. Je vous renverrai au pire sur une vidéo d'un spécialiste achat-revente. Sur ce, c'était Tezax, une petite vidéo de retour. J'espère que vous aura plu. Lâche le petit like, abonne-toi, partage la vidéo. Ciao.